Bonjour. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors désolée déjà de ne pas avoir sorti de vidéo lundi. Donc pour vous expliquer mon week-end, c'était le baptême et la communion de ma petite sœur, donc dimanche. Je suis descendue samedi, moi, dans le 13, pour pouvoir lui préparer toute la décoration en secret que je lui avais préparée. Donc du coup, je n'ai pas filmé parce que les personnes qui m'ont aidée ne voulaient pas être filmées, et ce que je comprends. Et au vu du lieu et de tout le matériel qu'il fallait déplacer, je ne pouvais pas le faire toute seule pour pouvoir filmer. C'est pas comme quand c'est dans ma maison où les tables, voilà, c'est facile à bouger. Là, il y avait des tables, il y avait 7 tables à bouger, il y avait des tables en bois, un barnum. Donc comment vous expliquer que c'était pas possible pour moi de tout déplacer toute seule? Pardon. Donc du coup, voilà, tout s'est bien passé, la déco a plu. Je vais essayer de vous incruster là et un peu à côté de moi les designs que j'ai pu lui faire. Parce que bien sûr, je n'ai pas filmé de haul. J'ai pas eu le temps. Il y a une partie de la déco qui a été prise chez Action. C'était le thème tropical. Du coup, il y a eu des trucs d'Action, tout ce qui était assiettes, décoration. Et ensuite, j'ai complété sur Shein. Et je crois que c'est tout. En magasin. Et oui, après le livre d'or, je lui avais pris sur Amazon. Voilà, donc voilà. Veuillez m'excuser de ne pas avoir sorti de vidéo lundi, mais en revenant dimanche, je m'étais bloqué le dos, toute la jambe à cause de ma sciatique. Donc du coup, j'ai préféré me reposer tout le lundi et pouvoir recommencer la semaine hier en forme pour emmener Cyril tous les jours à l'école. Après niveau temps, on a le grand soleil, mais le soir c'est le déluge. Là, à l'heure actuelle, ce matin il faisait 23 degrés. Là, on est sous la pluie, sous les tonnerres et tout ce qui s'ensuit, c'est horrible. Mais bon, la terre a besoin d'eau, donc il faut qu'il pleuve. Le point sur, je voulais revenir aussi sur ma dernière vidéo de la baby shower. Merci beaucoup. Vous m'avez fait éclater le compteur, donc merci beaucoup. J'ai vu qu'on avait passé la barre des 400, mais il y en a un qui est reparti entre-temps, donc ben, merci pour les nouveaux. Ça fait toujours plaisir de voir que la chaîne grandit petit à petit au bout d'un an, que mon contenu vous plaît. Je vais reprendre petit à petit les vidéos réorganisation et surtout rangement tri, parce que là j'ai remis des trucs sur Vinted qui sont partis dans la foulée. Comme vous savez, vu que maintenant on attend une petite fille, il va falloir que je trie tous les vêtements des garçons pour pouvoir les mettre en vente. Ça ne sert plus à rien de les garder parce que celle-ci est ma dernière grossesse. J'ai vu aussi dans les commentaires que vous avez voulu que j'aborde dans les prochaines vidéos une vidéo sur les césariennes, donc sur mes 3 césariennes. On pourra faire un comparatif aussi de mes 3 césariennes vécues et de la prochaine, vu que c'est pas dans le même département. Et après, bien sûr, je vous ferai le haul des achats qu'on achète au fur et à mesure. J'ai déjà commencé quelques trucs, mais j'attends d'en avoir encore. Là, dans cette vidéo-là, bon, il y aura un peu de blabla. Et je vais vous présenter un colis, parce que j'ai eu la chance de recevoir un colis d'une marque. Et j'en suis ravie et fière. Ce qui veut dire, c'est que mon contenu plaît et que j'arrive à toucher les marques. Bon, là, ça a été... La marque m'a contactée via Instagram, donc c'est parce que mon compte a passé les 1000 abonnés. Et voilà. Donc, je vais commencer par le colis, et après, on continuera sur du blabla. Et après, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Celle-ci risque d'être petite, mais j'ai pas eu le temps de vous faire une grosse vidéo, donc je vais essayer de vous en faire une pour vendredi. Je sais pas quoi encore. Surprise. Et voilà, donc la marque qui m'a contactée, c'est spécial enfant. Je pense que tout le monde la connaît, c'est Tweet Shake. Voilà, je vous montre. Donc c'est un petit colis, c'est moi qui ai choisi. Alors j'ai préféré choisir des produits que je vais pouvoir tester maintenant avec mes enfants et les garçons. Et après, si j'ai la chance de recollaborer avec eux, de prendre pour le futur bébé.
Parce que là, prendre des choses pour le futur bébé, vous en parler sans tester, je trouvais que c'était pas ouf. Voilà. Sachant que j'en avais déjà entendu parler et que j'ai vu beaucoup de monde s'en servir, même dans mon entourage, pas de ma famille, mais on va dire des amis que je connais, avec qui j'étais au lycée, j'ai vu qu'elles s'en servaient et franchement, voilà, ça avait l'air bien. Donc voilà, donc là j'ai reçu trois articles. Déjà il y a les magnifiques gourdes. Ouais, vous pouvez emporter partout. Elles passent au lave-vaisselle. Je vais vous montrer derrière les logos. Ouais, vous pouvez les laver à la main, au lave-vaisselle. Vous pouvez les mettre au congélateur. Il y a les bouchons. Hop. Et en plus, vous les ouvrez par l'arrière. C'est super. Alors, il faut prendre le truc pour la première fois, mais franchement, j'en avais acheté et j'arrivais jamais à les ouvrir. Voilà, vous les remplissez, vous fermez et ça coule pas. J'ai fait le test tout à l'heure, c'était... Voilà. Je vais vous montrer, j'en ai 4. Et j'adore le design qu'elles ont. Bon, celle-là, c'est des bananes. Celle-là, c'est des mangues, je crois. Mangues, ouais, c'est des mangues. Après, il y a l'ananas. Celle-là, elle est magnifique. Et après, il y a la fraise. Voilà. En plus, ça va être l'été, donc les compotes, je vais en refaire pour les garçons. Comme ça, ça... Même s'ils ne mangent pas beaucoup, je trouve que des fruits, c'est toujours bon. Et après, j'ai reçu la box de l'assiette... Du set de table. Alors celle-ci, je voulais la tester et je l'ai même testée tout à l'heure devant mon mari. Parce que Cécilio, en ce moment, a la manie de nous faire voler les assiettes. C'est une manie pas très très rigolote. Alors oui, comme on va dire, j'ai mes aspirateurs naturels, j'ai des chiens. Mais c'est fatigant. Des tomates éclatées par terre. Donc du coup, vous avez le set de table. Alors vous le positionnez sur la table allongée, sur la table allongée, mon n'importe quoi, sur la chaise haute. Et après vous venez clipser comme ceci l'assiette. Alors hop, comme ceci. Et l'assiette ne se détache pas. Donc quand le set de table s'est pris, ça fait genre de ventouse sur la table. Du coup l'assiette elle peut pas voler. Et après vous avez un couvercle pour remettre au frigo. Vous pouvez, si vous avez plusieurs assiettes tout shake, vous pouvez les empiler. Et franchement, je trouve ça génial. Donc là, je l'ai reçu aujourd'hui. Je vais les laver et je vais les tester avec mon fils dans la fin de la semaine. Et voilà. Et bien sûr, j'ai eu un code promo. Donc je vais vous l'écrire juste ici. J'espère... Dites-moi en commentaire pour les personnes qui connaissent cette marque, vos produits chouchous. Parce que franchement, bah, du coup, je... J'innove dans cette marque. Comme ça, je pourrais même commander de mon plein gré, je crois qu'on dit, pour pouvoir tester d'autres choses. Pendant une période, ils faisaient la poussette double, elle m'intéressait. Et là, ils la font plus. Donc, acheter une poussette simple, ça m'intéresse pas, il me faut une poussette double. Donc, bon, nous, on a encore la note, mais bon, elle commence à se faire vieille. J'espère qu'elle va tenir pour la dernière grossesse. Parce que ça m'embêterait d'en racheter une juste pour pas longtemps, quoi. Donc, du coup, voilà. Et pour les prochaines vidéos, je suis en train de travailler dessus pour vous faire des vidéos recettes, spécialités et pas chères. Mes prochains retours courses, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pour mes prochains retours courses, à les faire au moins. Au lieu de vous faire plusieurs vidéos, parce que des fois, il y avait des mois où je vous en faisais plusieurs. Au lieu de vous faire plusieurs vidéos dans le mois, vous faire exemple à la fin du mois. Ou alors au début du mois d'après sur le mois qui s'est passé, une grosse vidéo de mes 4 semaines de... En fait, ça dépend. Des fois, je vais faire les cours sur 15 jours. Des fois, j'y vais toutes les semaines. Ça dépend en fait de ce qu'on a besoin et de notre planning aussi et de ma fatigue parce que les courses, c'est moi qui m'en charge. Sachant que dans notre Leclerc, je peux pas faire les courses au mois comme je faisais avant parce qu'il est trop petit, les caisses sont petites et les caddies sont trop petits. Donc à chaque fois, il faut y aller avec la poussette double ou voilà, quand j'ai besoin de mon mari. Donc du coup, je pensais aussi essayer le drive. Mais ce qui m'embête sur le drive de Leclerc, dites-moi en commentaire pour ceux qui font leurs courses. Chez Leclerc, ce que vous en pensez du drive. Parce que nous, le drive, il est à part, il n'est pas dans le magasin. Et j'ai l'impression que souvent, les drives qui ne sont pas dans les magasins n'ont pas toutes les marchandises que vous avez besoin. Donc moi, je vais tester et je pourrai vous faire mon retour. Mais je pense que ouais, mes retours courts, je vais les faire sur un mois. Comme ça, on pourra calculer le budget course au mois. Même si dans le mois, je change de magasin.
quand j'ai pas le choix ou comme les couches que je prends à Cora. Mais je pense que je vais les changer, je vais les switcher. De toute façon, Calvin, il va passer à la propreté. Hein? En septembre, il rentre à l'école. Il avait commencé, mais bon, je pense que il a pas trop envie. Alors, il veut aller à l'école, mais il n'a pas envie d'enlever sa couche. Donc, on va reprendre ça à fond. Et après, je vais reprendre des vidéos cuisine. Alors, j'en faisais plus parce que depuis qu'on a eu l'incendie, ben, la cuisine, voilà. J'ai du mal à y rester longtemps. Mais bon, comme je me dis, je peux pas arrêter de vivre. Donc du coup, je filme plus parce que la cuisine, elle n'est pas à disposition comme je voulais. Elle est... C'est le bazar. Parce qu'il me manque des placards et il me manque surtout mon grand rangement que j'aimerais un jour pouvoir faire. Mais bon, l'expert ne se dépêche pas, donc c'est pas évident. Voilà. Quand c'est vraiment une catastrophe naturelle, je trouve qu'il se bouge. Et quand c'est involontaire... Il nous laisse comme ça dans la nature, mais bon, c'est pas grave. En plus, avec la pluie, nous on a peur parce que la dernière fois on a eu un épisode de grêle et ça tapait sur la vitre. J'ai dit la vitre avait explosé quoi. Mais bon, on a eu de la chance. On va espérer que ça continue. Moi, j'ai beau les appeler tous les jours, mais ça fait pas grand chose. Et après, ben. J'ai une vidéo aussi qu'il faut que je vous refasse, mais je pense que celle-là, je vais vous la faire pour, soit pour vendredi, soit pour lundi. On m'a redemandé mon astuce de pliage. Alors, vu que je vais changer les vêtements des garçons dans leur caisson, je pense que je vais vous faire en mode au ralenti le pliage et après en accélérer le rangement. Parce que du coup, il faut que je switch leurs vêtements, leur mettre, commencer à leur mettre des t-shirts et puis des sweats à manches longues avec une petite veste le matin. Parce que Cyril, avec la transpiration, il me fait des grosses plaques d'eczéma. C'est la pire période. Et en plus, leur crème, elle est à base de cortisone. Et vu où c'est positionné, mettre la cortisone avec le soleil, c'est pas super bien. Donc, je vais essayer de trouver une alternative. Et voilà. J'espère que cette petite vidéo blabla vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.